Bah, il faut que je vois aussi un peu ce que je fais. T'sais. Voilà, on va le bloquer. Vas-y, je te laisse filmer. Attends, attends. Comme ça, c'est bon, vas-y. C'est bon ? Mm-hmm. Super. On fait un petit peu plus loin. Ok. Ok. Mm-hmm. Très bien. On est au bout. Encore, encore, t'arrêtes pas. Arrête, bouge pas. Il y a un impact ici, mais qui n'a pas d'influence particulière sur le pliage actuellement. C'est bon, tu peux faire fonctionner. Vas-y, vas-y. Thank you.
donc pli par pli, à chaque fois tu changes les valeurs pour X ou Y, suivant la position de la LED. Mode programmation, donc j'appuie sur la touche bleue, prog, pour passer en prog, mode prog. NR, en gros, c'est première étape, deuxième étape. Donc NR, NR1, ok, premier pli, je veux un pli, admettons, à 200 mm en but arrière, et ensuite 75 de profondeur de pli, qui correspond à un angle de 120, enfin ça, c'est une cote à trouver. Hein. Suivant, NR, NR2, je veux une butée à 500, et puis une valeur 90, tiens. NR3, un pli à 100, très bien, puis une butée à 100 en Y. Ensuite, suivant, maintenant, si je veux rajouter un quatrième pli, donc 500 et puis une butée à 75, suivant, 5. Généralement, par mesure de sécurité, là on met 0, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'à l'étape suivante, il va s'arrêter pour pas à la fin de la pièce. Okay. Et pour valider, j'appuie sur la touche Enter. Et ensuite, prog, donc je repasse au premier pli. Là, c'est là que c'est plus compliqué. T comme okay, T, il repart de 0. Et là, si je fais NR vers la droite, start. Déplacement XY, on efface, on met 450, start, ok, ensuite on bouge, non, c'est pas ça que je voulais, celui-là, hop, celui-là, non, faut effacer aussi, ouais. On met 75, 00, 00, j'attends un message d'erreur, je pense, vas-y, parce que tu vois, le X il est à 4500. Ah oui, ok. Ah mais il recontrôle les deux, ouais. Ok, ouais. Tu fais stop. Ouais. Et là, voilà.